Pereira qui va centrer pour Germain. Et la volée. L'ouverture du score pour l'OGC Nice dès la 4e minute avec le numéro 26. C'est le jeune Cosiello qui met cette volée au deuxième poteau, libre de tout marquage. L'ouverture du score des Niçois. Cosiello pour ce ballon mal négocié dans le positionnement défensif de Perrin et de Pogba. Et les Stéphanois doivent réagir avec cette frappe à venir de la part des Séric. Le premier corner n'était pas terrible, celui-là est peut-être un peu mieux frappé. On a cherché la tête de Pogba, le ballon a été renvoyé, ça revient dans les pieds de Lemoine. La frappe, la transversale, et le but, Oh, il s'est retourné, se croyant en jeu. C'est l'égalisation de Loïc Perrin, le capitaine Stéphanois, sur cette frappe lointaine de Lemoine qui est allé heurter la transversale. Hassen ne peut rien faire, ça revient sur Perrin qui ajuste. Le but est libre, le but est vide. Et sous le regard de Claude Puel, les Stéphanois avec leur capitaine égalisent. Le décalage ou le centre dans la surface de réparation pour chercher la tête de Germain. Le ballon est dégagé, ça revient dans les pieds de Ben Arfa, la frappe du gauche. Oh, qu'il est beau. Le deuxième but de Nice signé Hatem Ben Arfa à la 38e minute. Il était court Germain, oui, mais derrière au deuxième poteau, il y avait Ben Arfa. Quelle frappe pure et limpide du pied gauche qui va se loger dans le petit filet de Ruffier. 2-1, 39e minute pour l'OGC. Ben Arfa fait un festival une fois, deux fois, le crochet intérieur, le crochet extérieur, le compte favorable, la frappe de Ben Arfa. Oh quel bijou extraordinaire ce que vient de faire Hatem Ben Arfa pour le troisième but des Niçois dans la toute dernière minute de la première période. Avec le petit râteau, il a éliminé un, puis deux, puis trois Stéphanois. Il accélère, la double accélération, mais dans le vent, un quatrième Stéphanois, le contre favorable pour se mettre en position de frappe du pied droit. Troisième but pour les Niçois et doublé d'Hatem Ben Arfa, son deuxième depuis le début de la saison. C'était lors de la précédente journée face aux Girondins de Bordeaux. Et pourquoi pas, avec des buts, on le souhaite. 3-1 pour les Niçois, 52 minutes de jeu avec Cosiello qui a ouvert le score. Le doublé de Ben Arfa et peut-être série. Attention pour le but. Oh, le quatrième but de Niçois à la 52e minute. Alors que j'allais vous rappeler que Perrin avait égalisé un but partout. Et derrière, série à la 53e minute qui vient crucifier Ruffier. Mais ils sont où les défenseurs de réparation. Oh là 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 là. Le cauchemar des Stéphanois à Geoffroy Guichard. Ils se font humilier par Nice qui redevient la meilleure attaque du championnat de Ligue 1.